Non. Oh, vous êtes dans la chasse. Non, non, non. Non, 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 non. Non. Madame, non, 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 non. Non. Non, ça va sauver, non. Elle est très fragile. Parce qu'elle est très fragile. Non, 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 non. 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 Non, madame, madame, non. 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 Oh, qu'est-ce que ça? Non, quand même, non, merci. Est-ce que... Là, vous êtes dans le tribunal, là. Est-ce que avec moi? Non. Non. Est-ce que vous rentrez avec moi? Là, droite. Dame Nagalé. Madame Joana. Non. Vous pouvez... On ne peut pas sortir comme ça. Regardez, nous, c'est des humains, nous, hier. Suspendons. Calais, vous-même, je suis tout. Suspendons. Pour qu'ils soient tout comme ça, caché. Pour qu'ils soient pour t'ajouter la justice. Est-ce que vous pas la faire? Vous voulez pas la faire? Pour qu'ils soient tout comme ça, caché. Madame Sorgichance Gade, là. Lirele, Yael, Johanna, Clirier, Ziraïk. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, madame ça, c'est qu'on s'alrele. Eh bien, selon information, yo, la police a arrêté hier, qui était mercredi 14 juin. Elle a déjà gagné plusieurs accusations sous dol, tant qu'escroquerie, abus de confiance, association malfaite. Donc, d'après maître Caleb Jean-Baptiste, madame ça, li vole yon affaire de passer 2 millions de dollars américains pour divers malheureux ak malheureuses. Mesdames, messieurs, dossier yo en pile, rale chez vous, chita la, parce que vous pral jouen en pile information. Dans l'autre bois, nous gagnons bilan de l'année que premier ministre Ariel Henry gagne sous pouvoir là, qui vraiment catastrophique selon dirigeant parti politique engagé pour développement qui c'est Claude Joseph. Li fait qu'on est que ancien premier ministre là, li dit que yo gagné plus passé 3000 moun qui t'a perdu la vie yo en babal bandi et environ 2000 moun kidnappé sans compter viol qui a fait sous fan maketifi. Gen environ 5 millions moun qui vin 5 fois plus pauvre dans pays. Hey, dossier yo apil. Nous gagnons tout occasion ça côté que Jean Edler Guillaume te profite annoncer que à partir de lundi qui va gagner pour venir là parce qu'il a organisé audience correctionnelle pour juger divers détenus qui gagnent plusieurs années depuis au pas jamais passé devant juge naturel yo. Sans plus tarder, nous pral gagner pour capable informer tout sous dossier commissaire gouvernement pour Port-au-Prince Jean Edner Guillaume qui toujours fait premier sortie dans la presse côté que il dit que jeudi 15 juin 2023 là, li visité pénitencier national et c'est une visite qui rentre dans cadre bataille que li a mené contre détention préventive prolongée dans pays d'Haïti. Oui, oui, contrairement tout avec opinion divers acteurs politiques, divers inter-haïtiens dans le pays Jamaïque, là, pas un échec d'après ancien premier ministre Claude Joseph. Il fait qu'on est que dialogue ça, lui permet certains acteurs politiques qui pas jamais peut-être qu'à entendre chita sur même table. Et oui, ministre éducation nationale avec formation professionnelle, là, déjà commencé à travailler tout sous calendrier officiel année académique 2023-2024. Là. Gagne environ 10 matières qui va obligatoire pour nouvelle année ça d'après ça que Nespi Maniga dit qui c'est ministre éducation nationale il était profité tout annoncer gagne un livre unique pour premier et deuxième année fondamentale et au déjà disponible 1 million c'est quantité livre que il va gagner pour distribuer dans finissement mois juin qui va gagner pour venir là. Nous gagne tout sous initiative regroupement national travailleurs haïtiens éducation ak réseau national groupe sanguin négatif. Eh bien oui, c'est bien sûr une journée collecte de sang qui est arrivé organisé 15 juin dans local ministère éducation nationale qui base école sous la zone en Port-au-Prince. Initiative ça son initiative qui visait sauver la vie moun qui t'a besoin ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est grand point ça. Nous va pour nous élaborer aujourd'hui, on après une courte pause, n'a retourner après. Bonjour, bonsoir tout le monde. Vous êtes tous et bienvenue sur votre chaîne avec votre ami Ronette qui est là pour vous servir. J'ai m'étais annoncé tout à l'heure. La police qui vient arrêter hier, mercredi 14 juin 2023, madame Yael Johanna Clirier Zuraïk. Madame ça, qui lui-même, selon information que Caleb Jean-Baptiste baille, il y a plusieurs accusations sous doule. Tant coup escroquerie, abus de confiance, association malfaite et puis d'après maître Caleb Jean-Baptiste, avocat youn nan parti victime yo
qui t'a fait connaître que dame ça li volait plus passé 2 millions de dollars américains, 2 millions de dollars vet. Caleb Jean-Baptiste t'a demandé avec nouveau commissaire gouvernement pour presse là, s'il plaît, prend responsabilité dans dossier ça. Yon façon pour le pas prendre un chantage famille si là qui c'est bien sûr yon gros famille dans pays là. Eh bien oui, Yael Johanna Clerier Zuraïk t'est passé devant paquet pour presse le même jour là qui était mercredi. Malheureusement, la police transférée dans la prison. Caleb Jean-Baptiste m'a invité nous tant de kounyan pour ba nous plus détails sur dossier si là. Jodi a madame Yael Johanna Clerier Zuraïk li nan garde à vue paquet. Li nan garde à vue paquet sous chef d'accusation association de malfaiteurs, faux usage de faux, escroquerie, habit de confiance parce que dame ça li associé avec des moun mari li et l'autre moun yo, li volé plus que 2 millions de dollars américains. Jodi a la gagné plusieurs cabinets d'avocats qui constitué moi-même maître Caleb cabinet constitué gagné plusieurs autres moun qui porter plainte tout cabinet constitué et gagné maître Boulos qui c'est avocat tout qui constitué avec nous dans dossier. Moi venir pour me dire la presse nous toujours dit yo pas arrêté moun ki gen kòb en Haïti. Yo pas mettre moun ki gen kòb dans prison en Haïti. Yo toujours dit également depuis moun nan gen couleur peau rouge, li intouchable. Moi même mettre calme pa problème moun ki gen l'argent. Pa problème moun ki pauvre, pa problème moun ki riche, pa problème moun ki n'est rouge, noir n'importe couleur ya. Moi non, faut coup droit. Debou pa non voler ou pa bon face fait Caleb. Ou pas vous fasse mettre boulos ou ap rete zami nou ou ap rete moun nou apprécier mais debout nou volé ou nou fait sac sale nou fasou jodi a la nou vont pinga bay la justice bay commissaire gouvernement Elder Guillaume pour nous dire l'attention société ap gade l c'est premier test qui passe qui cap passer jodi a la depuis la rentrée dans parquet a et premier test cap fait qui fait parce que nous prend madame Clerier Zuraïk. Madame Clerier Zuraïk, pour moun ki pa te konnen qui est lié. Madame sa li marié avec Fahim Zuraïk. Fahim Zuraïk nous connaît qui c'est petit Sami Zuraïk qui c'est moun ka Sami yo. Ki bon mes amis, moun yo tellement de mauvais soir. Petit yo nan gros l'école. Pi gros l'école ki gen Haiti c'est là met trois petit yo. Et puis yo cassé pour y être madame Naik Léger, yo cassé pour y être madame Milan Siré, yo cassé pour être équipe moun nan place tout nan pays là. Jodi a la plusieurs cabinets constitués, cabinet Mayodens constitué, cabinet Canova constitué, cabinet constitué par plusieurs clients, etc. etc. C'est pour ça que nous venons lancer un pinga, par le commissaire gouvernement, pour nous dire attention, attention parce que c'est le premier test, la passe là, bien comme qu'on est dans offre 100 000 dollars américains hier soir, dans offre 100 000 dollars américains hier soir, 100 000 dollars américains dans nos hier soir pour libérer. Nous connaissons les 100 000 dollars américains à terre et pas n'importe bagaille. Et vous laissez ça me dire la presse, suivez le dossier de près parce que malheureusement, je n'ai pas perdu 2 millions de dollars américains. Et oui, sans plus tarder, nous avons avancé pour nous continuer à informer. Côté que nous gagnons Jean-Edlier Guillaume, qui lui-même t'a visité, nouveau commissaire gouvernement pour le bien sûr, c'est lui-même, les visité pénitentiaire nationale 15 juin 2023. Et visite ça, il est rentré dans quatre batailles que l'a mené d'après ça, dit contre détention préventive prolongée en d'un pays d'Haïti. Pendant visite ça, commissaire Land dit qu'on s'accue li découvre un pile prisonnier qui commettent des liminaires qui gagnent plusieurs années sans juger. Chef Paquet a annoncé que à partir de lundi qu'il va gagner pour venir là, Paquet a prêt à organiser audience correctionnelle pour capable désengorger prison yo. Et oui, c'est comme ça information yo a déroulé. Jean-Edlor Guillaume qui était dans micro pour plus de détails. Passage moi dans parquet de Port-au-Prince nous entend faire la différence. Nous te dit n'a combattre ça qui a brûlé la détention et problème ça n'a combattre en amont et en aval. Nous connaissons des monde qui dans prison là. Des monde qui là depuis tantôt 10 ans, 11 ans pour une infraction. Mais saute une réunion de travail avec responsable prison. Moi, il y a des gens qui ont 11 ans, 10 ans, ils ne sont pas jamais
exige ça interpeller nous en tant que commissaire du gouvernement. Nous constatons tout. Il y a des gens qui l'ont pour vol de téléphone. Il y a 7 ans, 5 ans, il n'y a pas jamais devant le juge. Et bien pour ça, nous avons une réunion de travail avec les doyens. Nous sommes d'accord pour qu'il y ait une quantité de gens qui doivent juger. Et nous décréter la permanence dès lundi matin. Paquet Avral organisé des audiences correctionnelles. Moun kap libéré, y a libéré. Moun kap condamné, y a condamné. Nous dit encore, problème n'a touché nous comme commissaire du gouvernement. La loi fait non. Avocat de la société. Moun ki nan prison, c'est avocat yo tout. Moun ki nan prison, yo ka nan prison, mais au besoin qu'on est pour qui ça yo là. Yo ka nan prison, faut que yo condamné, faut que yo connaît ten yo. Mais d'après ça me saute là, si nous jugez moun yo vraiment, j'en ai dit, pral fè la, et comme t'es fait, n'a fait. Yo moun ki te la pour yon vol, qui est capable peut-être prendre 1 an à 3 ans, qui t'a un délit, li gen 7 ans. Moun sa, s'il pral condamné, la condamné soit pour 1 an, 2 ans, 3 ans. La de la Kaili quand même. Mais ça, on va le faire application de la loi de l'espinasse. Donc, nous mettons notre travail, notre travail. Toujours commissaire gouvernement pour Port-au-Prince Jean-Edler Guillaume, lui annonce tout que à partir de samedi qui va gagner pour venir là, lui a commencé par visiter tout commissariat yo pour capable de certains jeunes qui a coupé dans garde à vue yo parfois pour des causes de conflits d'intérêts. Chef parquet a annoncé que et en même temps, il y a un mariage. Yon mariage paquet à population. Li annonce mariage ça, yon façon pour yon capable permettre paquet à faire travailler. Puis bien toujours, je dis à Guillaume encore une fois, nan mikou. Et m'ba nous également rendez-vous pour samedi prochain. Samedi prochain, nous baptiser Noël le samedi de la permanence du parc. Dans samedi ça, n'a passé dans toute garde à vue. Gen moun yo interpellé, yo la gueule en dedans un sous-commissariat, yo la gueule en dedans commissariat. Yo pa jam konnen pour qui ça. Yo choisi pa voyer yo devant juge naturel. Bien souvent, moun sa yo arrêté, a son moun ki gen ti problème personnel, soit avec un juge de paix, soit avec un policier, soit avec un commissaire du gouvernement. Je suis arrêté, on moun mettre en prison pour faire un autre moun plaisir. Pas quelqu'un moi-même m'a dirigé, m'a pas tolérer ça. Et c'est pour ça, gouvernement, Premier ministre Ariel Henry, n'a fait des routes, il t'a soumettre moi. Il dit m'a fait détention préventive. Ça, il entend combattre lui pendant le Premier ministre là. Nous là n'a fait. Nous d'aller ministre justice moi également, il ba moi même instruction. Donc m'ai dit oui, moi pour aller et comme t'es fait nous là pour faire appliquer politique pénale du gouvernement. Donc m'a pas nous rendez-vous, j'aime te dit nous déjà. Moi adopté comme philosophie non. Travail plus parler moins. La presse va mieux chercher pour me travailler. Et ça fait bien une page qui est disponible. Page officielle, commissaire du gouvernement. Tout ça n'a besoin d'appeler au pour. Et m'a profité occasion ça pour m'informer nous également. Bon mariage que nous allons faire. Mariage nous allons faire, hein? La fête à toi, moun. Vous pouvez l'étonner pour dire au mariage pour aller faire à trois mounes alors que nous pas en Afrique, nous cap comprendre ça. Eh bien, on dit mariage là, la bien la donne, c'est parquet, population et la police. Parquet a, c'est lui qui a pené politique pénale là. Parquet a, c'est lui qui a avocat société a. Eh bien, on dit population, c'est toujours victime. Donc, on dit son question de gérer bouche parler. Nous même qui la presse, faut que nous participions dans le travail là. Si nous on bagaille notre petite bouche nous fermer, ça c'est nous qu'on aime. Pour ça, nous titre tout vite, nous allons voir sur page nous. Nous allons mettre des numéros de téléphone. J'ai qui m'a annoncé le discours d'installation. N'importe ça nous ouais, n'a pas obligé de parler. Et l'un parler nous garantit. Garanti. Les papes sont dehors, n'a pas protégé. Et bien, n'a pas mettre politique pénale là en mouvement. Et moi, je dis nous merci beaucoup. À bientôt. Et oui, nous avons coordonnateur résistance pour développement en CAEA, Pierre Sauvenel Sylvain, qui lui-même bat bravo la contentement pour mouvement Bois Caléa, qui déjà poté aller plus passer une centaine de bandits. Et bien, militant politique l'an déclaré que mariage population police, c'est seul moyen qui est capable de retirer le pays dans l'insécurité que lié retrouvé les jeudi en là. Pierre Sauvenel Sylvain m'a dit avec peuple haïtien lever campé dans tout pays pour débarrasser pays de régime ça yo qui vraiment pas réglé en rien dans tête pays. Nous gagne responsable dans parti politique engagé pour développement EDA qui lui-même dressé un bilan catastrophique de l'année gestion pouvoir premier ministre Ariel Henry côté que gagne plus passé 3000 monde qui perdit la vie en babal bandi
environ gagnent 2000 moun tout qui t'a kidnappé sans compter viol qui a fait sous forme activité dans pays en Triboy et Babo 5 millions moun 25 fois plus pauvre dans pays d'après président conseil stratégique parti EDN docteur Claude Joseph qui voyait jeter bien loin toute l'idée pour parti politique EDN t'a signé un document sous cohabité politiquement à gouvernement Ariel Henry qui pas inspiré le confiance. Claude Joseph, t'es dans micro. Comme nous tous connaissons, depuis 7 juillet 2021, il y a un climat incertitude qui blaye sur l'avenir du pays d'Haïti. Le gouvernement de transition Ariel Henry n'a pas posé aucune action concrète pour créer l'espoir. Au contraire, pendant des années passées sous pouvoir, le gouvernement Ariel là fait toute bagaille pour mettre le pays sur le mode verbal. Exemple en pile, et nous tous connaissons. Dans ce qui vient avec la sécurité et puis droit monde, pendant 2 ans, ça a plus passé 3000 personnes perdu la vie en bas de l'assassinat. Bandit sans foi ni loi. Dans l'année 2023, sorti janvier pour vivre mars, il y a 531 personnes qui perdent la vie en bas de l'assassinat. Et puis seulement pour moi, avril, il y a plus de 600 personnes qui ont assassiné. Sans compter, plus de 2000 personnes qui ont kidnappé. Sans compter, viol qu'a fait sous femme actifée dans tout le pays. Économiquement, c'est une catastrophe. Mon Dieu vient 50 fois plus pauvre, 50 fois plus misérable, 50 fois plus vulnérable. Il y a 5 millions de monde qui n'ont grand goût, qui n'ont pas qu'à manger. Classe moyenne pays a fin grasé. Mon Dieu a quitté pays a par pile et par paquet. C'est vos pays à finaler. Politiquement, le gouvernement n'a pas exprimé aucune volonté réelle, ni fait aucun effort pour résoudre la crise. Là. 2 ans de transition, ça, c'est 2 ans dilatoire. Menti à bluff. Malgré Ariel Henry, si un accord avec famille, amis, avec Aliel, il n'a pas jamais respecté l'engagement. Qui sorti dans la cause. Ariel Henry, pas sincère. C'est bien ça qui renforce la position dans ce qui vient avec la gouvernance du pays. C'est pour ça que la position aidé dans le sommet CARICOM est clair. Dans le sommet Kingston, il a été proposé une nouvelle gouvernance. Cap gagne un agenda social, politique et économique bien défini dans un temps irraisonnable. Choix, un premier ministre en tête d'un gouvernement consensus. Augmenter la capacité opérationnelle de la police nationale d'Haïti pour établir l'ordre dans deux pays. Chercher bon côté communauté internationale là et un support technique. Opérationnel. Et financier pour un PNH là efficace. Mettez sous pied un conseil électoral provisoire inclusif qui inspire confiance. Organisez un référendum pour une autre constitution. Organisez bonne élection dans tout pays. Après des années Ariel passé sous pouvoir avec un bilan social, politique, économique. Catastrophique comme ça, aider, voyez jeter toute proposition indésirable qui vient pour objectif renforcer le pouvoir Ariel Henry. Renforcer le pouvoir Ariel Henry, c'est renforcer la misère. Renforcer le pouvoir Ariel Henry, c'est renforcer l'insécurité. Renforcer le pouvoir Ariel Henry, c'est renforcer un système qui chita sur l'inégalité et l'injustice sociale. C'est pour ça. Aider de décider si un pile acteur représentatif dans la classe politique et la société civile
une proposition pour nous retirer le pays dans la crise liée journée aujourd'hui. Malgré la catastrophique qui a actif le gouvernement de transition, cette volonté d'Ariel Henry, c'est qu'il y a le pouvoir. Après telle année, pas de monde qui a dit qui date le pays a organisé l'élection. Même monde qui avait, ouais. Même monde qui soude, tendez. Tout le monde comprend. Le projet Ariel là, c'est un projet malhonnête. Le projet Ariel là, c'est un projet anti-démocratie. C'est pour ça que fait un appel à toute force démocratique pays pour nous mettre ensemble pour nous marier le projet ça. C'est surtout dans une bonne mobilisation pacifique, nous avons arrivé à aboutir à l'objectif. Aider à continuer à faire bonne consultation avec un pile de secteurs pour nous changer la situation de la population. Merci à vous. Nous avons tout dialogue inter-haïtien dans le pays Jamaïque qui vraiment pas un échec, contrairement avec ça que pile mon a dit, d'après président conseil stratégique parti engagé pour développement Claude Joseph, li fait connaître que dialogue ça li permet certains acteurs politiques qui pas jam 40 ans yo rive chita sous même table ensemble et ancien premier ministre haïtien li souligne que acteurs yo siyen yo rive siyen un document conjoint pour mettre camper l'autre gouvernement qui reflétait force sociale et politique paysan. Claude Joseph te nan micro pour plus de détails. En bien monde pensé, initiative CARICOM non, li pas fini sur mauvaise note. Initiative Jamaïque là, li fini sur note côté de acteurs politiques, de partis politiques qui pas obligatoirement entendu mais signent une déclaration conjointe. Évidemment, il n'est pas imposable à toute l'autre partie. Mais, déclaration ça, il mandé un autre Premier ministre dans tel pays, un autre gouvernement qui reflétait force sociale et politique, un conseil électoral provisoire, réforme nécessaire, de monde qui est capable, qui est dynamique et qui intègre dans tel pays. Donc, moi, je crois que nous sortions avec un bagaille. Qu'on y a, c'est parti politique signataire avec l'organisation société civile qui pour mettre ensemble pour travailler, pour faire que nous respections ça qui s'y Jamaïque entre acteurs qui sont plus représentatifs dans la société, dans la classe politique et la société civile. Après bilan catastrophique, Ariel Henry, sur le plan social, politique et économique, aider quoi nouvelle gouvernance intérimaire de gagner en tête libre un autre premier ministre. Et c'est ça, signataire, document, conjoint ça, qui gagne un ensemble de partis politiques très représentatifs, acteurs, organisations, société civile là, signé. Je dis, un Premier ministre qui doit dans tête gouvernement consensus là. Il a bâti le Premier ministre. Et c'était bataille pas nous dans le sommaire. Parce que renforcer le pouvoir Ariel Henry, c'est renforcer l'insécurité que des journalistes importants dans le pays à victimes. C'est renforcer la misère, c'est renforcer un projet malhonnête, c'est renforcer un projet antidémocratique, parce que nous connaissons seule volonté Ariel Henry, Zamil, ak Aliel, c'est rester sous pouvoir, qu'aimer pouvoir, et poko et pas jamais organiser l'élection. Oui,
Louis, toujours dirigeant parti politique engagé pour développement, il continue à réclamer tout justice pour ancien président Jovenel Moïse. Claude Joseph soulignait que les séries parmi acteurs qui demandent justice pour ancien chef l'État dans le sommet Jamaïque, là, pendant que il était exigé pour mettre capé un tribunal international spécial pour faire lumière sur le dossier ça. Claude Joseph rive saluer toute condamnation Rudolf Jor qui d'après lui-même c'est un grand pas dans bonne direction et il souhaitait que la justice haïtienne en soit continue faire travail li sous dossier si là. Claude Joseph encore une fois dans notre micro. Dans sommet Jamaïque là aider pour tout le monde qui voit déclaration c'est seul parti politique qui mettait accent sous question justice pour Jovenel Moïse. Nous considérons question justice pour président Jovenel Moïse là comme un préalable à tout dialogue, toute discussion politique. Nous renforçons position nous qui c'est demande d'un tribunal spécial international pour capable aider nous dans question ça. Parce que évidemment crime là il y a une dimension transnational. Donc ça, c'est fondamental. C'est vrai que aider lui-même, nous croyons que c'est un autre premier ministre dans la tête de gouvernement de consensus. Cependant, dans une discussion qui gagne plusieurs acteurs de société civile là, à classe politique là, nous faisons des concessions dans la négociation pour nous accepter un gouvernement qui répond à sa constitution dit. Ça veut dire un pouvoir exécutif excusé, bicéphale. Et ça, aspect justice pour Jovenel Moïse est fondamental. Donc, qui voit le collège là, les gagnants pour attribution présidentielle. Donc, implémentation, organiser l'école dépend de discussion avec l'autre acteur qui s'y est et l'autre acteur qui vient pour le s'y est. Document conjoint ça que nous signons dans le pays de Jamaïque. Merci. Moi, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Parce que moi, je crois que c'est extrêmement important pour entendre tout le monde. Les gens qui étaient proches du président Jovenel Moïse, même Jacques moi-même, qui toujours mettait à la disposition de la justice. Et les gens qui étaient fait en pile temps à assassiner le caractère président jusqu'à ce qu'il assassine physiquement. Et moi-même qui participait dans le crime là en façon ou bien l'autre. Donc moi je pensais que si on passe dans la bonne direction, c'est ça que nous toujours mettons disponibles pour tout juge qui sous cassade. C'est encore un pas dans la bonne direction, dans son gros pas pour moi-même. Parce que j'ai parlé, j'ai dit, qui moun qui était impliqué ensemble avec lui. Donc, moi, je souhaitais que la justice haïtienne, lui-même, a continué à faire travailler. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux juridictions sur le César. Donc, pas de monde qui est capable de manipuler la justice haïtienne, parce que la justice américaine, effectivement, est au même tout saisie de dossier. Donc, pas de aucun monde qui est capable de mentir ou bien de beaucoup pour casser fait pour ça. Nous gagnons Nesmi Maniga, nous connaissons qui c'est ministre éducation nationale et formation professionnelle là, qui lui-même déjà commencé travail sous calendrier officier année académique 2023-2024. Là, il gagne 10 matières qui a obligatoire pour nouvelle année ça et gagne tout quelques autres matières qui étaient sous 200 cap jambé sous 300, tant que créole et sciences sociales pour citer ça seulement et d'après ministre éducation nationale là, il fait connaître que oui, année ça, il prévoit consolider l'école fondamentale. Nesmi Maniga nan mikon pour plus de détails. Nan jou k'ap vini la yo, ministère pral publier calendrier officiel année l'école 2023-2024. Et gen plusieurs la décision k'ap pran par rapport à année k'ap vini la. Nan yo, c'est consolidation l'école fondamentale 9 années. Côté que ministère, il prend décision pour que curriculum l'école fondamentale respecté de manière intégrale et que toute matière, toute compétence qu'un jeune haïtien doit développer, eh bien, il joigne tout coup, toute matière, toute discipline qui déjà prévoit dans le curriculum qui permet que l'y développer
tout potentiel li et tout capital humain que pays a doit gagner pour que économie un pays a développé, culture pays a développé. Et dans ce sens, le ministère li prend une décision, li énumérer tous les 10 matières qui pourraient être obligatoires dans l'examen 9e année fondamentale à partir année 2023-2024. M'a énuméré là. Des matières traditionnelles qui étaient déjà là déjà que le ministère a confirmé. Tant que mathématiques qui 300 points. Créole a bien changement parce que au lieu de 200 points qui étaient comptabilisés pour examen 9e année, à partir de l'année prochaine, créole a passé de 200 points à 300 points. Même gens tant que français. Anglais 200 points, espagnol 200 points. Ça va pas changer. Sciences sociales, l'a gagné 100 points en plus. Au lieu de 200 points, l'a monté à 300 points. Son pays qui a un gros déficit de citoyenneté, et là, dans pile, monde toujours parlé d'éducation civique, éducation à la citoyenneté, eh bien, il y a une dent matière qui est les sciences sociales là. Donc, c'est pour ça, il est très important pour que nous augmentions le coefficient. Même bagage pour sciences expérimentales, son pays qui a besoin de développer la science, et c'est pour ça, l'a passé de 200 points à 300 points. Il y a trois disciplines que plusieurs écoles toujours font, mais qui pas nécessairement compté. Plusieurs écoles qu'on déjà mettait dans le programme d'études, mais le ministère pas nécessairement, au niveau d'examen officiel, toujours comptabilisé. Nous voulons qu'il y ait plus d'efforts qui fait sur ça. C'est pour ça, éducation artistique esthétique a compté à partir de l'année 2023-2024. Pour 200 points. Éducation physique et sportive, qui est très important, pas seulement pour effort physique, là, pas seulement pour question sport physique, là seulement, c'est apprendre à jouer ensemble, apprendre à réussir ensemble, souci pour nous faire travail collaboratif, que éducation physique et sportive, là, qu'elle a donné tout, l'a compté pour 200 points, et initiation à la technologie et aux activités productives, l'a compté pour 200 points. Trois dernières matières, ça y est. Avant dans le programme, même le pas de comptabilisé, il était sous 100 points, mais le ministère a décidé d'augmenter le coefficient à 200 points. Mais ça n'a pas prêté là. Le ministère a encouragé en pile toute l'école, commencer depuis la troisième année fondamentale avec enseignement langue internationale qui est dans la région, anglais avec espagnol. Et même Jean-Tout, puisque le ministère fait promotion en l'école qui est basée sur créole, mais qui permet que nous allons plus vite, plus bien, sous toute l'autre langue, deuxième langue pays, qui est langue officielle, qui c'est français, avec l'autre langue qui parle dans la région, qui c'est anglais, avec espagnol, qui donc, dans le changement qu'a fait ton examen à partir de l'année prochaine, dans ça gain pour avec deux langues officielles, et les vieux ont un choix, puis ont composé, ou bien créole, ou bien en français. Décision ça a préalimenté que le ministère garde tout programme études. Direction curriculum qualité, il va gagner avec toute l'autre direction technique ministère pour capable analyser qui gère ou pas répartir chaque jour. Qui nomme deux qui va enseigner par semaine pour différentes matières selon classe. Et voilà, ministre de l'Éducation nationale, formation professionnelle, Nesmin Maniga, encore une fois, il lance un livre unique tout pour première et deuxième année fondamentale. Côté que il est disponible déjà, côté qu'il va le distribuer très bientôt, qui c'est 1 million de livres dans fin mois de juin là, qui donc responsable l'école yo pa gen pour forcer parents élèves yo acheter l'autre livre. Donc dans sens si là il annoncé que a gen yon gros rencontre avec direction l'école yo sous dossier si là. Oui et bien tout sous l'autre dossier qui t'a concerné tout secteur éducatif là. Donc mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Nesmin Maniga encore une fois dans notre micro. Puisqu'on a fait virage ça, nous voulons mettre des outils dans mes professeurs, dans mes enseignants yo, maintenant mes élèves yo tout avec parents. Dans ça qui concerne année l'école 2023-2024 là. Ministère déjà annoncé à tout parent que yo pas obligé acheter livre pour première année et deuxième année parce que tout directeur l'école publique et privée paysan ministère a annoncé officiellement que à partir mois juin ça l'a commencé à distribuer livre unique en créole pour première avec deuxième année l'école et que yo met déjà metté ça dans liste que a promettre timoun yo parce que avec liste ça livre là gagne tout contenu obligatoire timoun yo doit apprendre
et gon ka exercice tout qui donc nous paraît pour nous commencer faire on l'école qui chita sous culture locale, on l'école qui basée sur la science et qui permettent que li répondre à mission que société a bali et de transformer pays. L'État haïtien a distribué à l'ESA environ 1 million livres uniques en créole avec cahier exercice pour toute l'école publique privée première avec deuxième année fondamentale. Livre disponible déjà. Logistique a commencé à partir mois juin pour distribution. Qui donc, aucun parent pas gain aucune obligation acheter un livre en plus depuis le gain livre ça yo parce que livre ça li gagne tout programme que ministère officiellement dit que ti moun nan doit apprendre dans 2 années ça yo m'a reprendre ni mathématiques sciences sociales, sciences expérimentales, français, créole. Tout là déjà. Et c'est dans ce sens ça, nous déjà dit directeur et nous avons dit parents que le ministère paré, bonheur année ça et l'État a distribué livre ça tout partout dans le pays. Gratis. Ministère éducation nationale, dans le sport qui pourra sortir dans le prochain jour, pourra l'annoncer exactement qui gens ça fait dans chaque commune, dans chaque point côté description pour le faire. Ministère a déjà annoncé, dit tout directeur de l'école, tout parent, ministère a 1 million livres à cahier que le pral distribuer à partir du mois de juin. Ça veut dire que tout le monde au courant, aucune école pas qu'à obliger un parent à acheter plus que ça l'État pral bali, parce que nous dit tout ça qui est obligatoire comme compétence pour tout le monde connaît, il y a un livre que le ministère a pu mettre. Ministère va annoncer très bientôt, avant l'école la fini dans le mois de juin, on joue un gros chita palais qui va le faire avec toute direction de l'école, côté à inviter conseil de l'école pour que nous soyons capables d'expliquer toute décision ministère va le prendre à partir de calendrier année l'école 2023-2024 là, mais nous allons annoncer toutes les mesures que le ministère prend qui est pour avec curriculum, qui est pour avec n'importe quel autre sujet qui concernait la vie scolaire. Encore une espèce maniga qui te réagit tout sous dossier grève enseignant yo, il te fait connaître que ministère la reconnaître conditions de travail enseignant difficile en pile et c'est la raison pour laquelle qui fait que il prend engagement pour les capable continuer faire plaidoyer pour jeunes yo pour yo capable joindre moyens financiers pour soulager enseignant yo et il te profiter tout pour te exprimer préoccupation li sous la trier locale qui loge ministère là, il fait connaître que c'est un héritage que dirigeant passé yo t'a quitté pour lui. Mais il te promet que li a travaillé en façon pour ministère là en soi capable gagner un local unique. N'espère on y gagne encore une fois tenamico. Ministère éducation nationale tant que l'État très sensible à conditions de travail enseignant et nous-mêmes nous toujours continuer tout plaidoyer pour aller chercher plus de ressources que le national que l'international pour que travail là fait plus bien et que enseignant li motivé dans cadre travail. Année ça c'est une année difficile, nous avons assisté tout à différentes demandes que le ministère transmet. Naturellement, nous sommes là, nous suivons 400% augmentation salaire. Le ministère pas jamais dit ni oui ni non, ça ne fait c'est que tout ça possible en fonction de fenêtre fiscale ou capacité financière de l'État, le ministère peut toujours continuer à faire plaidoyer parce que nous sommes d'accord que les conditions ne sont pas faciles. Nous sommes d'accord que les conditions ne sont pas même normales. Quitte l'infrastructure, niveau infrastructure, quitte ses mobiliers, quitte ses outils de travail pour enseignants dans le 21e siècle, il y a un pile d'efforts qui ont été faits au niveau de l'État de manière globale, ni ministère. Donc, nous ne fermons pas les oreilles. Nous avançons sur eux selon le rythme et selon la disponibilité de l'État. Ni employé ministère, ni ministre, sont son situation intenable. Et nous cherchons moyen pour que nous soyons capables, justement, nos graines locales avec tout le monde. Cette situation nous vient de joindre, de fait, qui est difficile pour le ministère. Et nous sommes parmi les premiers monde qui continuent à faire des efforts pour nous joindre moyen pour que nous réunions nos graines locales. Nous avons tous divers enseignants dans le département nord-ouest pays qui ont plaidé en faveur du système éducatif. Là. Et ils voient que c'est une nécessité pour responsable dans le ministère de l'Éducation nationale. Tu as retourné avec une série de livres qui étaient peut-être là dans tant longtemps. Et ils ont voulu faire, bien sûr, enseignement en créole. C'est une façon pour faciliter l'apprentissage élève. Plus de détails avec correspondant nous dans le département nord-est, chez nous, Rosnay.
Divers professeurs au niveau département d'Odessa plaident en faveur d'un renforcement dans le système éducatif haïtien. Dans une interview accordé TAC 509 en jeudi 15 juin 2023 dans Claque for Liberté, M. Duchesne Petit Frère et M. Judson Michel ont déclaré que c'est une nécessité pour renforcer le système éducatif. Ils ont demandé pour retourner à une série de livres qui ont été gagnés dans le temps passé pendant que vous connaissez tout est-ce l'État qui a un problème. M. Duchesne Petit Frère ak Judson Michel te nan micro TAC 509. Si yon nécessité renforcer le système nan, ça veut dire encadrer professeur yo et la lui al font coup et pour que moun sa li gen tout li même comprendre pour que coup sa ka passe et en plus et élève yo tout faut que gagne des encadrements, faut que gagne tout ce qu'il faut pour que élève la li même li ka apprendre. Et nan l'école yo, si ou ap gade premier bagaille yo fait, on s'est des livres, nous te kon gagner de regarder instruction civique, histoire ou bien quelconque, yo retiré yo. Donc faut que nous ta retourner avec livre ça yo. Parce que jusqu'à présent, c'était on a passé dans bêtise. Alors en Haïti, nous propose à faire. Ta propose la faire éducation. Professeur propose la enseigner. Si mon propose la pas prendre, parent propose la gérer ti moun. Tout n'a pas menti. Et pas dans éducation pour rien. Dans tout structure l'état, oui. Yo l'autre côté toujours dans micro TAC 509 M. Judson Michel ak M. Duchesne Petit Frère, yo encourager responsable yo dans ministère éducation nationale pour faire enseignement yo en créole, yon façon pour faciliter apprentissage l'école là. D'après ça, on dit l'anglais yon outil de communication qui ka faire développement pendant au fait qu'on est apprentissage pas fait sans compréhension. Mais en langue, c'est un outil de communication essentiellement que lié. Reste au vin après. Donc, si majorité, grande majorité population c'est créole y parler, hein, pour qui ça ou pas enseigner le créole normalement. Mais nous gros complexe pour nous, c'est français qui langue parce que créole là faut nous dit du fait que li vassalisé, du fait que domestiquel, vient faire que li pas progresser, c'est vrai. Donc bon bon mot qui pas existe en créole. Mm-hmm. Le jour où nous pour responsabilité en tant que peuple pour nous dire que n'a éduqué peuple en nous dans langue que nous doit éduquer là, Haïti pas dans niveau que li là, l'a sorti parce que l'anglais non seulement son outil de communication, c'est lui même qui peut aller véhiculer, qui peut le faire circuler, qui peut le mener à aller mener venir développement. Si nous disons langue non son moyen de communication, son moyen pour qu'a faut comprendre ou qu'a fait comprendre nous. Donc moi rete quoi, c'est langue qui plus facile pour moi, c'est lui que ou apprendre utiliser et gen ti moun nan même l'école yo gen bagay yo apprendre et peut-être en français et sous ta va dit ti moun nan même bon ti explication comprendre par exemple on parler ti moun nan volcan qui s'allie ou parler de yon rivière ou parler de yon colline ou parler de la mer ou parler de tout d'autres bagay mais sous ta va dit ti moun nan OK bon yon ti explication gen des mots il doit étudier il doit pas même en mesure pour l'expliquer or si que ou apprendre ou pas comprendre donc c'est comme si m'ta ka dit c'est nul non avenir c'est comme si c'est rien comprendre donc parce que si pas gain compréhension pas gain apprentissage. Depuis Foi Liberté chef du département d'Odessa pays d'Haïti Chenon Rosny pour TAC 509. Nous gagnons tout comité central regroupement national travailleurs haïtiens dans éducation dans tête collée ou ensemble avec réseau national groupe sanguin négatif nous capable dire que y arrivé organiser 15 juin yon journée collecte 200 dans local ministère éducation nationale qui chita kol sou nan zon nan Port-au-Prince et bien activité si la li réalisé dans occasion journée mondiale donneur sang volontaire dans objectif pour aider sauver la vie moun ki nan besoin yo l'héro junior tenamiko. Nous rentrons dans la bataille, ça, c'est parce que nous sommes conscients de la quantité de monde qui est victime, qui mourit chaque jour par rapport avec manque de sang. Et nous avons une nécessité aujourd'hui pour organiser une collecte de sang dans l'occasion de la journée mondiale de donner de sang volontaire. Ça veut dire que les gens qui veulent venir faire ça, sans l'argent, sans aucune contrainte, sans pas forcer, ils viennent faire ça. Nous rentrons dans l'initiative là, et nous avons constaté la grosse des gens qui sont élèves lycée, qui l'autre qui a rejoint nous encore parce que aujourd'hui, il y a une nécessité pour les gens rentrer dans l'activité ça parce que chaque petit bout de son bail est de sauver la vie en quantité de monde. C'est ça que fait nous-mêmes organiser l'activité ça. Je dis, comme structure syndicale, les nous devant la presse habitué à dénoncer ou bien récupérer vos conditions de travail pour l'emploi, etc. Mais dans le contexte spécial ça, c'est pas ça qu'on a fait aujourd'hui, nous pouvons rentrer dans une initiative pour nous aider à sauver la vie. Je dis, sans ça, on a collecté là, il pourra permettre à pile monde et bénéficier de ça. Et il y a des gens qui sont dans l'hôpital pour qu'ils viennent sans pour opérer.
Par exemple, il y a un peu de monde. Si nous connaissons avec la question césarienne, je dis, il y a un peu de monde, mesdames aussi, qui ont fait césarienne. Nous avons besoin de ça, on ne peut pas joindre. Et nous connaissons dans le contexte insécurité totale, insécurité générale, côté charge, on a pris un balle. Les gens ont toujours besoin de ça, mais ils ne peuvent pas joindre ça pour eux. C'est ça que nous, même comme structure syndicale, en dans l'éducation nationale, nous sommes les premières structures qui prennent l'initiative ça. Nous avons encouragé l'autre syndicat dans le système, dans le syndicat enseignant et l'autre syndicat dans l'administration et tout. Puis on rentre dans l'initiative ça. Et depuis après tout, on a porté solidarité, nous, on a là. Ça veut dire jeudi 15 juin ça. C'est la première activité qu'on a fait. Et nous allons inscrire nos cadres, nos calendriers pour nous capables de connaître. Est-ce que dans 6 mois on a fait encore ou bien dans 3 mois, etc. Mais l'essentiel l'a toujours organisé, si le collègue de sens. Coordonnatrice organisation Renaxan et qui c'est Nancy Lenné, li félicite tout le monde qui juge nécessaire pour bailler sans pour sauver la vie l'autre monde qui t'a nan nécessité. Pour ça bien sûr elle encourage l'autre organisation yo pour yo ta fait même démarche là et li rete kwè que démarche ça gen grand importance pour la vie moun nan société a. Nancy Lenné te nan mi. Les gens nous connaissent déjà, il y a un membre du comité qui est Danaïka Duplan, qui s'est de tête, ça a plus qu'une semaine. Et demain, nous avons un hommage que nous avons fait dans Claircine, la Kaili, demain matin de 8h à 4h. Et funérailles à la fête samedi matin. Et son collègue, tout nous tout dédié à lui parce que il a vu une baisse dans le collègue ça. Jeudi, s'il était là, il n'était pas avec nous dans l'équipe là. Donc, comme quelles que soient les circonstances qui arrivent, de vous mettre tête tout pour sauver la vie ou de continuer à faire. Et son collègue, dans un temps normal, que nous avons vraiment reporté, mais nous disons nous que c'est vrai que Danaïka a allé, absolument abrété, mais nous avons continué à faire ça, nous devons faire pour nous aider la communauté. Et je dis, nous avons depuis l'engouement, le collègue a à peine démarré avec un petit retard parce qu'on devait démarrer. Et à 8h du matin, il y a un petit retard dans la mise en place pour le matériel. Mais déjà, nous avons une bonne délégation d'écoliers qui viennent là pour venir baisser. Et c'est vrai que nous avons fait là avec un syndicat dans l'éducation, mais et nous sommes contents que nous ayons manifesté engouement pour venir baisser aujourd'hui. Hein. Donc nous pensons que son collègue qui est parti pour bien réussir. Et dernière association de fonds collègues avec qui était réussi comme ça, c'était CFOSEF. Et nous avons fait 44 pochettes. Donc nous pensons que nous partons là pour une belle journée de collecte de sang. Et nous remercions nous est-ce que nous venons mettre lumière en plus sur l'activité. Et Jean Renaxan toujours dit, l'existence Renaxan nous doit d'abord à la presse qui toujours supporte nous. Si nous partons là, nous ne pouvons pas que Renaxan tape salier. Et je dis, hein, et je pense que Renaxan pour une capacité pour lui honorer nous. Bien entendu, Jean ça doit faire, mais en encourager et supporter Renaxan pour permettre que plus de monde qui a besoin de son pays arrive, je n'y sais ça, nous baissons comme mission au niveau de Renaxan. Et nous applaudissons l'entraide qui comprend la nécessité eux-mêmes qui est dans le domaine éducation parce que la majorité des gens qui ne sont pas en Haïti, c'est parce qu'ils ne sont pas éduqués sur la problématique. Là. Donc, je pense qu'avec la collaboration, ça avec l'entraide, qu'a bien pour continuer, côté que n'a bien pour travailler sur un protocole ensemble, pour nous continuer à faire des collectes de sang sur une base régulière pendant l'année. Depuis l'année dernière, Renaxan rentre dans une autre dynamique qui sait permettre que des organisations de quel que soit secteur coréen, pour gagner des poules de donneurs qui propagent eux-mêmes. Pour qui ça? Majorité femmes qui ont besoin de sang, il y a relé Renaxan ou bien relé, combien de 100% relé l'autre association, alors que le travail que vous avez fait, qui sait gagner une poule de donneurs, les grands problèmes à l'interne qui permettent qu'ils soient capables de gagner des gens qui sont et Renaxan assuré, suivi un bouillon de préférence. Au lieu qu'ils marchent, cherchent, sont tout partout, affolés, alors que nous agissons sur le problème dans les gens plus qui impliquent. Majorité de fois, les gens qui ont besoin de sang, ils n'ont pas qu'être prétexte pour ne pas bailler. Mais ça me toujours dit, c'est un système qui est difficile. L'on besoin plus que 80 000 pochettes de sang par année pour répondre à la demande. Au niveau du CNTS, ils n'ont pas jamais faire même 50% de quantité ça. Majorité moun ki gen besoin san nan payan pa rive joine sinon que des particuliers ou bien mon famille ki al bay san pou yo c'est impliqué pour l'or gen besoin san pou capable joine. Nous gen président association magistrat yo nan sud Fritznel Chéri qui lui même exprimer satisfaction li sou réussite 2 mois et demi de formation que ministère éducation ministère intérieur te organisé pour magistrat nan cadre mairie nan département sud lan sous gestion territoriale et gagne 40 jeunes universitaires nan sud qui te rive recevoir formation tout sous fonction territoriale yo et bien jeunes sa yo manifesté volonté pour intégrer administration communale lan d'après magistrat
Fritz-Nel Chéri. Sans plus tarder, nous gagnons directeur général organisation organisme pour développement Vallée Latibonite là, agronome Franz Jean-Marie qui lui-même bail détail sur programme apaisement qui lancé dans région depuis 22 mai 2023 qui a duré 4 mois. Il fait connaître que 185 875 000 goud, c'est bien sûr quantité l'argent qui disparaît. Bien sûr qui est disponible et pour yon capable exécuter programme SILA pour yon combattre grand goût dans Vallée la Tibonite d'après agronome Franz Jean-Marie qui lui-même tenait micro Venesse Désir depuis la Tibonite pour plus de détails. Contribuer dans la réduction 10% quantité de monde qui est dans l'insécurité alimentaire dans le pays. Maintenant, qui différentes interventions qui gagnent dans sous programme. D'abord, il y a activité à haute intensité main de vieux, c'est-à-dire activité qui consomme en pile main de vieux. D'abord, nous gagnons curage manuel. Et pour activité curage manuel, là, donc, sous programme, là, pour ce qui concerne par la Tibonite, là, nous mobilisons 40 équipes. Alors, nous mobilisons pour curage manuel la 70 équipes. Donc chaque équipe ça a gagné un chef équipe et gagné 15 ouvriers là d'ailleurs. Donc c'est ressources humaines que nous mobilisons pour curage manuel là dans ce programme là non pas la Tibonite là. Donc bien dit nous mobilisons 70 équipes et pour activité réhabilitation route rurale, c'est-à-dire route en dehors. Nous mobilisons 40 équipes et chaque équipe ça a gagné un chef équipe et a gagné 15 ouvriers. Donc ça c'est pour activité et réhabilitation et route rurale, c'est-à-dire route en dehors. Et troisième activité qui consomme en pile, disons qui utilise en pile même d'œuvre que nous gagnons dans ce programme là, c'est activité conservation des sols. Et activité ça lui-même, nous mobiliser 40 équipes et chaque équipe a gagné un chef équipe et au même temps a gagné 15 ouvriers là-dedans. Donc ça c'est ensemble de ressources humaines que nous mobiliser pour trois activités qui utilisent en pile main de vieux, c'est-à-dire curage manuel, nous disons mobiliser 70 équipes. Réhabilitation route rurale, nous mobilisons 40 équipes. Et puis pour activité conservation sol, nous mobilisons 40 équipes. Donc pour ensemble activité IMOYO, on va prendre compte que nous mobilisons au total 150 équipes. Ça veut dire 150 chefs équipes et puis 150 multiplié par 15 ouvriers. Donc c'est ressources humaines que nous utilisons dans le cadre activité IMO. Mais ce n'est pas ça seulement qui vient comme intervention dans ce programme. Non? Ça nous dit là aussi activité IMO. Mais il y a tout comme activité et appui, disons, à intrant agricole. Ça veut dire, nous gagnons, en fait, dans le cadre de ce programme, non? Nous gagnons deux intrants agricoles que nous avons facilité mon joindre. Par exemple, pour semences du riz, nous gagnons au total 190 tonnes de semences que nous avons disponibles à travers ce programme. Non? Nous avons également semences haricots noirs hein, que nous avons disponibles. La quantité que nous avons disponible à travers ce programme, non, c'est 5 tonnes. Et puis nous avons semences poil souche que nous avons disponibles au niveau de ce programme non, également. Donc, quantité que nous avons disponible, c'est 5 tonnes. Et puis, nous avons semences pistache, pois congo que nous avons disponible également. Nous gagnons tout Guinness Mout. Guinness Mout, c'est non, un nouveau produit que Brasserie Nationale d'Haïti présenté officiellement journée jeudi 15 juin 2023. Eh bien, nouveau bière, si là, il gagne la dernière 5% d'alcool. C'est première innovation Branafès ou bière Guinness originale depuis plus
plus passé 40 l'année depuis que Max a été présent dans le pays d'Haïti. Directrice marketing Brana, Madame Lieke Boris, a apporté plus de précision pour nous dans le micro. Aujourd'hui, nous sommes très fiers d'introduire en Haïti une nouvelle bière de Guinness. Guinness est un marque vraiment fort et apprécié en Haïti qui existe depuis plus de 45 ans. Donc, aujourd'hui, c'est un moment extraordinaire pour nous d'introduire, après toutes ces années, finalement, un nouveau produit qui s'appelle Guinness Smooth. Donc, Guinness Smooth a tout le caractère d'une bière stout, d'une bière noire comme Guinness, mais avec une finition plus légère, crémeuse et avec une goutte de caramel. C'est vraiment, vraiment délicieux. Avec Guinness Smooth, Bran a introduit une nouvelle expérience de bière en Haïti et nous offrons une bière différente pour des consommateurs, pour des occasions spéciales, pour des hommes et pour les femmes, la femme. Donc, malgré la situation dans le pays, Brana est heureux d'offrir de nouvelles expériences à notre consommateur et d'aider nos commerçantes à développer et grandir leur business. Donc, nous allons continuer avec ça toujours. Merci un pile pour être ici. Maintenant, je passe la parole à Alexandra Bello, le brand manager de Guinness. Guinness Smooth li fait avec même ingrédients de base Guinness là, mais composition différent et li gen tout yon pi bon goût selon manager de qualité compagnie Brana, Antoine Fils Saint-Éloi, li fait connaître que produit ça li respecte toutes normes internationales yo. Antoine Fils Saint-Éloi, tenan micro pour plusieurs détails. Toujours vle satisfaire client yo. C'est-à-dire que yon nan mission principale nous c'est assurer que nous satisfait client yo. Et pour nous faire ça, nous toujours assurer que tout produit que nous avons fait, c'est des produits de qualité que yo. Et un produit que nous fait lancer là, et moi content comme manager de qualité pour que moi fait partie de l'équipe ça, c'est Guinness Smooth. Guinness pour lancer un produit qui fait avec même matériel que nous fait, même ingrédients que nous fait Guinness normal là. Donc c'est toujours malt, de l'eau, sucre et levure avec houblon. Donc ces matériels ça qu'on utilise, mais par contre les gagnent une recette qui est unique à lui-même, qui balie au goût qui est extraordinaire. Moi personnellement comme manager de qualité, moi remets produit ça et moi sûr que nous-mêmes tout, nous allons faire même expérience ça ensemble avec. Donc moi pas dit trop pour partie qualité hein, mais ça me garde non seulement c'est que depuis la matière première que nous utilisons, passer dans le processus de brassage là, arriver dans le produit fini hein, c'était un travail d'équipe. Côté que département qualité, département de brassage, marketing et tout le monde te met tête ensemble, packaging, pour que nous capables offrir nos bébés ça aujourd'hui, qui c'est Guinness Smooth. D'une autre part, nous avons deux ouvriers qui t'ont perdu la vie, plusieurs autres t'ont blessé dans le parc industriel Côte d'Ivoire hier jeudi 15 juin 2023. Une responsable syndicat ouvrier Nord-Est qui a même réagi sur le dossier ça, qui confirmait que bien sûr c'est une altercation entre un ouvrier et un agent sécurité entreprise ça qui crée toute briganda ici là, yo ouvrier yo bien sûr t'es en colère, yo fait déchoucage dans usine d'après ça que syndicaliste lui-même qui rappelle que c'est pas première fois incident ça yo a privé dans entreprise ça qui pas bien traité ouvrier yo du tout. L'était dans micro pour plus de détails. Matin. C'est qui était ça yo? C'est la côté à un jeune garçon qui travaille dans en fabrique les MD. Il colle-t-il? Donc, il bat le coup. Après, et puis tout le monde, tout le monde, haïtien, au sens de révolté, parce qu'il a toujours parlé avec ça, ça fait plusieurs fois au palais, donc c'est pas comme ça, hein. On a révolté pendant après-midi. On a révolté. Donc, même sécurité en dehors des bio, les gens pour les fonds dans tout, avec des bacs à examiner qui est exact qui fait action. Il est arrivé que deux mouns, deux ouvriers qui perdent la vie. Donc, c'est très malheureux. Deux ouvriers, il y en a qui mourent qui travaillent dans la fabrique de l'MD. L'autre, là, qui travaillent dans la fabrique de l'Mazava. Ils prennent un capuchon dans la tête. Ils mourent.
Et il y a l'autre monde toujours qui prend cartouche, il y a un monde qui prend cartouche dans le point S. Parce que c'est pas un dia passé, bon, pas qu'à examiner exactement dans la cuisine parce qu'il y a un climat aussi. Il prend cartouche dans le pied, tout ça. Mais ça arrivait avec un peu de regret que nous-mêmes, nous vraiment regrets, vraiment désolés tout. Parce que j'ai une décision, ça a arrivé. Donc aujourd'hui, que c'est l'État qui cause. Parce que normalement, on ne peut pas rentrer dans l'autre détail. Parce que l'équipe est importante, c'est toute forme d'abeille qui est en détail. Par contre, ça peut déranger tout. Parce que, ensemble, des problèmes, ça, ils ont répété souvent en dans Côte d'Ivoire. Mais ça qui cause des problèmes, ça, c'est le mode de dirigeance de Côte d'Ivoire avec l'État qui est omis, soit affaires sociales, etc. Parce que nous avons ensemble de problèmes en dans Côte d'Ivoire qui causent haïtiens ou parfois les révoltés ou révoltés. Comme si ils sont indignés quelque part. Parce que pas traité bien. Et voilà, pour nous capables d'avancer vers la fin, nous voulons fort qu'on ait que juge Walter Rossière-Voltaire, qui est arrivé auditionner tout jeudi 15 avril 2023, président conseil sécurité administration Unibanklan, qui c'est Edouard Bossan, dans le cadre dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse. Lan. Et après audition, celui-là, avocat Level Louis, qui t'a accompagné Edouard Bossan, pas traché yon mois avec la presse, m'a invité au suivre, qui j'en sa t'est passé. Walter Rossière-Voltaire qui était auditionné tout pendant même journée ça hier, ancien secrétaire d'État pour sécurité publique là, président Michel Joseph Martelly ex là, qui lui-même ensemble avec Roll Adrian Cyril toujours dans quatre dossiers ancien président Jovenel Moïse là, deux monde si là, c'est deux monde qui était dans séance d'audition. Voilà, merci beaucoup. Comme ça, information a déroulé dans le monde. C'était bien sûr Renette Tomade à micro pour servir. Merci à vous-même qui avez chance de visualiser la vidéo. Ça, et dès qu'il y a une actualité a passé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Restez des nôtres. Bye bye. Yon pays qui fin crasé. L'aime de piti, expression ça pas de gain sens pour moi, malgré le en créole. L'amour que je partage avec les amis, je n'ai pas de bon temps pour me chercher à comprendre tout. L'aime venir voyager, j'aime commencer à l'ouvrir sur quelques réalités. Même si je viens de piper la réalité, je n'ai pas envie de comprendre. Après 10 ans dans le pays étranger, malgré toutes mauvaises nouvelles, nostalgie exige, j'aime venir visiter le pays. Et c'est là que je commence à regretter que je me grandi. Tout est bien petit. Foudouen Rita, merci, politicien.
bien merci, bourgeoisie, pour tout ça qui fait nous mal, yo. Ton écrasé mon goût, mettre fou pété fiel. Nous prenons tout bagaille pour blague, pas de la bataille entre nous. Nous pas engagés, nous n'a rien qui est important pour nous. Depuis c'est pas, pour chou qui te mêle ou à kidnapping. Just pour la ou ka, te kyo qui te mêle ou à pay show. N'a clé ou ne manifeste, ma de justice pour Jovenel. Pas de cet ange, juge de paix, pour qu'on fait constat de saline. Est-ce que tête nous droite? Justice n'a pas cherché là. Abraham bien pour lui dire c'est assez, n'a pas foutu c'est pas rassé là. I love my country, je t'aime. Ti pays ça, qui l'en n'a pas suspendu fait caca. Semble n'a pas foutu en état. Merci, politicien, merci, bourgeoisie. Ça qui fait nous mal, yo. Ton écrasé, mon goût, mettre fou, pété. L'avocat fonctionne, mon prend ligne ou sardine. Pas d'un bac, ma chante, pas qu'à poser sous grand riz. Oh, Jésus. Bagay, ça fait mourir. I just fucking love my country. Qui est-ce? Qui est-ce qui vrai gangster? Qui est-ce? Qui est-ce qui provoque?